Bonjour tout le monde. Coucou, c'est la team Miel. Pour un nouvel épisode de Knuckles Echidna. Je m'appelle Knuckles Echidna. Appelez-moi Knuckles. C'était trop facile, j'ai trouvé la clé. Maintenant il est temps d'explorer la base secrète d'Egma. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un mauvais pressentiment. T'en vois, rien. Les esprits garderaient-ils une tombe? Oui, en fait, quand on reprend la partie, à chaque fois, il y a le personnage où... Il raconte un peu sa vie. Qui raconte un peu ce qui se passe, histoire de nous remettre dans le bain. Hein? Il est où le Big Blue? C'est le Big Blue. Ghost. Oui, Knuckles, il a peur du fantôme. Oui, c'est King. Boum. Boum. C'est le Big Blue. Ah oui, non, en plus, il fait un cri. Un cri complètement... Non, mais moi, quand j'étais petite, la première fois que j'ai joué à Sonic Adventure 2, je suis longtemps restée bloquée ici. Tout simplement parce que j'avais peur d'affronter ce boss. Déjà, le truc il fait un bruit horrible. En plus, il est moche. Enfin. Et son nom n'apparaît pas. Oh non. Bon, réalité, je sais. Attends. Ok, normalement ça devrait être bon. Mais en fait, non. Oh là là là. Il est pas content. Vas-y, Knuckles. Pourquoi il y a des pingouins sur le mur? Des pingouins? Parce que les pingouins, c'est trop bien. Non, c'est toujours pas facile. Ah, si. Ah, je le disais aussi. Ensuite, il faut le déterrer. Lui donner des coups de poing. Le poing enflammé de Knuckles. Il court vite, dis-moi. Vas-y, Nux. Oh, on peut le toucher 2-3 fois. Un truc où ça attend. Dommage. Alors, c'est quoi ce délire d'avoir une langue et des yeux couleur arc-en-ciel? Ça va, t'as de la chance, il est allé sur le sol. Moi, quand il allait sur le pilier. Oui, là, mais non, mais c'est parce que c'est que le début. Ah début, oui. il va être qu'au sol. Après, il décide à faire le boulet. Bon, alors, tu me jettes des trucs, please. Trop loin. Voilà, c'est bon. Non, la personne qui a fait ce doublage était folle. Pourquoi? Mais c'est pas possible de faire des cris pareils. Voilà. Alors là, par contre, j'y arrivais jamais. En fait, il va de plus en plus vite. Oh là 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 là. Ah, dommage. T'aurais pu lui Oula. Lui asséner le coup de grâce. Merci. Attention, Knuckles! T'as vu, il y a une langue multicolore. C'est Rainbow Dash en... Oh, c'est pas gentil pour Rainbow Dash. En fantôme. T'as vu le petit fantôme? C'est un fantôme au rhumé, c'est pas possible. C'est le petit fantôme, mais c'est mal de toi. Décidément. Attention, c'est oui, le nous fantôme j'ai... qui jette des boules de feu, de flammes. Des flammes bleues. Ah, c'est bon. Ah, bon. L'autre, il a peur et tout. Oh, ouais. Oh, avec un peu de chance, il partira pas. Non, tout. Hein. Ouais. Oh là, il est mort. Yeah, Knuckles. Ouais,
Eh ben, c'était bien épique ce boss, dis-moi. Une partie sauf tout seul. C'est plutôt difficile. On a réussi, allons-y, Amy. Bah, le Sonic. Petit voleur, vous pensez sortir d'ici vivant? Viens un peu par ici, Eggman. Oh, Sonic, il est prêt à en découdre. Oui, il a même soufflé. Ça, je comprendrai les proches et je me débarrasserai de vous. Je vous ordonne de détruire ces imposteurs, serviteurs. Oui, c'est ta chanson préférée. C'est pas ma chanson préférée, mais je l'aime beaucoup. En plus, c'est même pas une version instrumentale. Allez, Eggman, c'est un fou, il a pas le droit d'avoir la version instrumentale. Lui, il a la vraie version avec les voix et tout. D'ailleurs, le Big Boo, c'est y a que Knuckles qui l'affronte, donc du coup, les Dark n'ont pas ce boss là. Voilà, c'est le thème du Big Boo, mais. Différent. T'as vu, ce boss, il a une plateforme rien que pour nous. Et il bouge plus quand. Il est gentil. Ouh. Sonic, quelle agilité. Toujours, Sonic est très agile. Vas-y, détruis le canon. Oh. Ah. Mais il est où, Sonic? Que puis-je faire? Ça y est, il devient électrique et tout. Vas-y, Sonic! J'ai vu, il attend et tout. Il est gentil, ce buzz. Hein? Yeah, plus qu'un coup. Non, non, c'est... Cours, Sonic! Boum, 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 boum! Et voilà. Et là, tu meurs. Nice try, Rocky. Sonic, il est là. C'était trop facile, c'est ça encore? Allez hop, petite animation différente. Cornflakes, ils vont se transformer en Cornflakes encore une fois, les paramètres. Vas-y, Sonic! Run, Sonic! T'as vu, y'a que Sonic qui est rentré dans la fusée. Wouah, c'est beau! Ils vont sur la lune, hein? Comment? Ils vont sur la lune, hein? Bah ouais. Le premier pas du hérisson sur la lune. 1999. Bah, c'est pas une lune, ça. Ah, c'est pareil. Ça ressemble un petit peu. Encore des paroles. Wow. C'est parce que c'est Knuckles qui est au commun. Ah oh bah Knuckles, tout au travail, n'en ressert à rien. Eux, ils sont en train de se disputer en plus dans la navette. T'as vu, Sonic, il crie, il a bien réagi, mais alors les autres, ils ont pas encore compris ce qui s'est passé. Hein. Non, mais ils sont polis. Ils laissent d'abord crier Sonic et ensuite ils crient. D'accord. Dans la colonie de l'espace. Alors, compte à rebours, 2-11. Qu'est-ce qu'il y a avec ce crétin? Essayez de s'emparer de la navette. J'ai cru qu'on allait vraiment y rester. Hein? Où est-il maintenant? Le parc Fury. Qui est-ce qui s'est échappé? Il a été enfermé à Saint-Amand à cause d'un terrible accident. Première colonie spatiale sphérique Bernoulli, appelée Arc. Bernoulli. C'est mignon. Une fois opérationnel, c'était un centre de recherche des plus avancés, mais en y repensant... Maintenant, c'est comme, qui dirait, un arc abandonné, non?
Laisse pas de temps avant qu'Eggman ne passe feu. Amy se marche sur les pieds. Nous allons nous dépêcher, trouvons le canon et détruisons-le. On construit cette arme pour qu'elle résiste aux attaques. Les boucliers sont très efficaces, alors nous devons trouver un moyen de les détruire de l'intérieur. N'est-ce pas une Chaos Emerald? On le croirait, mais c'est une fausse émeraude que j'ai créée après avoir étudié la vraie. Même longueur d'onde et même propriété. T'es trop fort, Tails! Elle est moins puissante. Oh, t'es nul, Tails. Elle est conçue pour inverser le champ d'énergie au sein du chaos. Oh, Amy, elle sourit. L'émeraude est exposée à l'air. C'est vrai que personne ne ferait la différence. Je trouverai le générateur et je le détruirai. Sonic, tu trouves la salle de contrôle, d'accord? Le temps, c'est d'activer les Chaos Emeralds quand la machine s'arrête, c'est bien ça. Oh, Tails, il est motivé. Amy, elle est restée un peu. Elle laisse rester un plan derrière. Je vous déteste, vous vous amusez toujours sans moi. Bah, t'as qu'à apprendre à courir ou à faire un truc dans le genre, parce que là, tu sers à rien, Amy. On va pas dire Amy Rose is here, c'est tout ce que t'as fait de tout le jeu. Oh là 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 là. Allez, c'est l'heure de détruire quelques monstres du gun, parce que oui, en fait. C'est abandonné, mais il y a encore les monstres du gun. En plus, c'est Eggman qui a pris le contrôle, mais il laisse quand même quelques robots du gun. Ah. Parce qu'il est gentil. Hé hey. Pas de jaloux, c'est ça. Tout le monde a sa place ici. Eh ben non, c'était l'autre. Oh bah il est gentil. Il se laisse tirer dessus. Il faut pas casser les trucs qui sont ici, sinon ça libère du vide et tout, et ça se fait pas. Oui, donc si après il y a du vide, et bah ça nous aspire et on meurt parce qu'on va dans l'espace et que Thaïs y survit pas dans l'espace. Sauf dans Sonic X. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais visé un... une fenêtre sur le côté. Je l'ai toujours fait. Hein. Oui. Je sais. Mais bon. Alors. Oh, une question. Alors, hop. T'es en train de tuer la station. Bah, on va l'enlever, hein. Tiens, t'as vu un perroquet qui se balade et tout. Non, bah finalement, si Thaïs, il peut vivre dans l'espace. Boum, 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 boum. Alors, comment vas-tu ouvrir ce fiche? Un super missile. Super missile qui de la mort qui tue. Et qui a fait bugger le son. Ouais, mais tu m'avais déjà dit que ça faisait bugger le son la dernière fois. Oui. Alors il y a des petits trucs explosifs aussi. Oh, c'est dur. Ça là. Je vais te montrer la petite explosion. Hop là, boum. Mince. Et eh ben alors. Alors, t'es déconcentré, Tails? Faut croire. Tu veux plus remonter, machin? Voilà. La classe. Oh! Des monstres que j'adore. Je suis ironique, évidemment. Pourquoi tu es ironique? Ces trucs-là, alors dans ma tête, ça s'appelle des chaos. Bah, c'est des artificiels chaos en réalité. J'ai ouvert le truc, c'est pas cool, Bob. Et oui, c'est méchant parce que ça se cache tout le temps quand tu veux les attaquer. Et du coup, et ben, on est bloqué et tu t'as récupéré un porcinet. Et... Pourquoi t'aimes pas les récupérer les porcinets? Si, après tes Pokémon. Tes chaos, ils font du breakdance après. Mode Mario, c'est ça? Voilà. Bon, faut pas atterrir dans le truc vert sinon on meurt, c'est de l'acide. Et oui, c'est dangereux sur l'arc. Oui, ils mettent de l'acide un peu partout, je sais pas pourquoi. Hé!
Ouais, mais ça veut dire que techniquement. Mais les, oh, gens, j'en ai marre. Les gens qui dirigent l'arc quand ils veulent aller. Oui. Quand ils veulent aller à leur base. Oh non. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc je disais, je me demandais si les personnages de Sonic, enfin les responsables de l'arc, quand ils veulent aller dans leur base, la salle principale, ils sont obligés de passer par là aussi. Ah oui. C'est dangereux, hein, d'être commandant de l'arc. Boum 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 boum. C'était cool. T'as vu ça? Oh là là. Attention, évite de sauter partout. Ils sont pénibles, ces monstres. Regarde, t'es bientôt arrivé. Mais non. T'as mal sauté. Sonic. Vas-y, Tails. Tout est cassé. Vas-y, Tails, mode berserk. Boum 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 boum. C'était radical. Sachant que j'ai relâché le bouton, je comprends pas pourquoi je me suis quand même fait toucher. C'est pas cool. Le jeu il triche, ça y est. Très bien, laissez enfin t'accrocher. Tails s'accroche à la vie. Attention, attention. T'as vu tout à l'heure, il y avait un endroit fermé. Oui. Ouais, t'as un bouclier. Oh bah. Dangereux ici. Maintenant, faut toucher la petite boule là-haut au-dessus de ta tête. Bon. Je peux pas y aller. Bah, je peux pas y aller. La boule. Bah non. Faut pas les casser ces trucs là, comme j'ai des trucs, non. Puis, c'est cool, mais. J'aime bien voir ce que je fais quand même. Vas-y, Tails. Okay. Ouais, une vie. Yep. Ouais, upgrade. Le bazooka. Volcan. Volcan canon, let's go. Hop, on va pas traduire volcan canon. Et donc, grâce à ce petit bazooka, on peut détruire les caisses en métal. C'est trop bien! Oh bah, t'as vu, t'as touché, ça t'a pas fait mal. Oh non. Allez, t'es bientôt arrivé! Normalement. Je sens que la fin est proche. Quoi? C'était bizarre. Ouais, cool. Ah bah tu voles. Oh non, mais c'est pas cool ça, j'aime pas ça. Il y a de l'air ici, visiblement. Trop bien. Bah c'est pas pas très joli. Il attaque à travers la porte. Alors là on est des fous, on se jette dans le vide.
en évitant les lasers. Et là, on se dit d'où viennent les chaos artificiels. Ah oui. Parce que normalement, chaos, il apparaît pas il y a 50 ans. Hein. Allez, faut que tu détruises le canon, Tails. Il faut pas que tu meurs. Ah, oh, le goal. Ouais. Trop bien. J'ai eu que 2000 points de... Mais j'ai encore un D. T'as vu, c'est pas un E. Dans la colonie de l'espace. Mais qu'est-ce que... Je n'ai pas compris, Tails. Qu'est-il arrivé à Amy, Tails? C'est un peu bizarre. Je ne le ferai pas quand même maintenant. Non, pourquoi? Je pense que je mettrai tellement de temps que c'est pas la peine de continuer la vidéo, c'est ça? Allez, on vous dit salut à tous et à bientôt.